les gens, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve 5 ans en arrière sur FIFA 9. Alors j'avais dit que je prendrais le premier jeu FIFA que je trouverais, donc voilà, c'était FIFA 9. Et alors par contre, la semaine dernière, mardi dernier, ouais, ça revient à mardi dernier déjà, donc c'était assez longtemps. J'avais dit que je ferais une semaine spéciale Caps. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes pour faire des vidéos. Ou j'avais pas le temps, ou il y avait eu des bugs quand je les faisais, ou j'étais pas là, etc. Ça fait que j'avais pas pu en faire J'ai juste pu en faire lundi, 3 mardis. Et les autres jours, j'ai pas pu en faire parce que ou j'étais pas là. Ou jeudi, j'avais prévu de faire une vidéo, mais il y avait eu un gros bug. En fait, j'ai pas pu la mettre en ligne. Et aujourd'hui, même n'importe quoi, même s'il y a un bug, je ferai une vidéo, je serai certain. Donc, on se retrouve sur FIFA 9, comme je l'ai dit avant. Auxerre Paris. Donc, pourquoi Auxerre Paris? Pour la simple et bonne raison que quand on fait jouer l'IA, donc l'ordinateur. Dans les matchs de foot, on est obligé de prendre les équipes qui nous donnent. Et je crois que les équipes, c'est toujours Auxerre et Paris. Voilà, donc c'est un peu chiant, mais bon, on va faire avec. Donc, Auxerre contre Paris Saint-Germain. Et j'ai fait un match 3 minutes. Donc, la vidéo va pas durer très très longtemps. Dégagement de l'arbitre. Et donc j'arrive plus à parler. Par exemple, puisque j'ai FIFA 9, il n'y aura pas dedans Zlatan, Cavani et tout ça. Puisque c'est FIFA 9 et que Zlatan, il me semble qu'il est seulement depuis 2014 dans le PSG. Et donc j'aurais pu faire les changements, j'aurais très bien pu mettre Zlatan dans l'équipe du PSG, comme Cavani, comme en virer certains, mais premièrement, ça dure trop longtemps. Enfin, non, c'est pas que ça dure trop longtemps, c'est que j'avais la flemme. Et voilà, bah oui, j'avais la flemme, et là, pas but. J'ai passé un truc un peu bizarre, j'ai pas tout compris. Donc, je compte, j'espère que j'aurai pas le même problème que la semaine dernière. Je pense pas, j'ai rien vraiment prévu cette semaine, mais bon. J'espère en tout cas faire d'autres vidéos sur FIFA. Comme des vidéos sur 2K14 et des retours vers le passé. Alors, au début, je devais faire une vidéo sur TN Impact. Je devais faire une vidéo sur TN Impact, puis. Mais le problème, c'est que. En fait, je peux pas faire jouer l'IA dans TN Impact. J'ai beau essayer, ça marche pas. À chaque fois, je suis obligé de jouer moi. Et je peux pas filmer et jouer en même temps. TN Impact. Il y aura pas de vidéo sur TN Impact sur ma chaîne. Pour ceux qui attendaient ça, je suis vraiment désolé, mais je peux vraiment pas faire. Je peux pas filmer et jouer en même temps. Donc la vidéo risque de durer. Là on est dans 40 minutes dans le jeu et la vidéo dure depuis 4 minutes. Ouais, 8 minutes à peu près. 8 minutes, 9 minutes. Donc ça va. J'ai fait le 3 minutes, donc le mode de jeu le moins long, et je trouve que c'est assez long. Et là, il bute. Le but lobé de Sengnon. Je connais pas. J'ai jamais vraiment été fan de foot. Mais ensuite, je regarde quand c'est la Coupe du Monde, quand il y a des championnats et tout ça. Mais ce joueur-là, je connais pas. Hein. Les fans de foot connaîtront, je pense, tous les joueurs qu'il y a. Mais moi, je connais pas beaucoup de joueurs. Même dans
Même à la Coupe du Monde, dans certains pays, je connais pas tous les joueurs. Genre en Argentine, je connais juste Higuain et Messi. Et les autres joueurs, c'est limite, j'en ai rien à faire. Donc je les connais pas, même si je sais qu'ils sont autant importants que Higuain et Messi. Donc là, il y a la première mi-temps qui est terminée. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, deuxième mi-temps, l'arbitre a sifflé. Et donc 1-0, si vous avez oublié le score, 1-0 pour Paris Saint-Germain. J'ai une question à vous poser, vous pouvez me répondre par commentaire. Est-ce que dans Forza, on peut faire une course de voiture mais sans jouer nous? Je veux dire, est-ce qu'on peut comme à peu près faire jouer l'IA de Forza? Donc répondez-moi par commentaire s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir parce que je comptais faire des vidéos sur Forza mais j'ai eu un doute et je me demande si on peut ou pas faire jouer l'IA. Je pourrais aller très bien voir moi-même mais j'ai la flemme. Parce que j'ai pas envie de mettre le jeu Forza, d'avoir préparé tout pour filmer et d'un coup de voir qu'on peut pas faire jouer l'IA. C'est ce qui m'arrivait avec la TN Impact, j'étais un peu dégoûté, mais j'en ai profité pour faire 2 ou 3 maps, hein. Donc pourquoi pas. Donc, comme j'ai dit avant, j'ai mis 3 minutes, je trouve que le temps passe assez vite. Hein. Passe, non, justement, assez lentement. Donc pour 3 minutes, moi je croyais que c'était 3 minutes par mi-temps, donc que le match allait durer 6 minutes. Ben non, pas du tout, en fait c'est 5 minutes par mi-temps. Donc j'imagine pas ce que c'est 20 minutes. 20 minutes ça doit être, je sais pas moi, 1h30 comme un vrai match. Et là le centre, on a... But, il y a but? Ah non, pas but. Parce que juste à côté. Voilà, même le commentateur du jeu l'a dit, il a dit j'aurais... Si vous avez pas entendu, il a dit j'aurais presque cru... J'aurais cru qu'elle allait rentrer. Ben, moi aussi, écoute. Ça, vous voyez le temps en haut. Quand il y a une faute, ou par exemple, quand l'arbitre va la dégager la balle, le temps s'arrête dans le jeu. Ça fait que les matchs durent plus longtemps. Alors qu'en vrai, quand il y a une embrouille ou quelque chose dans le genre, le temps continue. Ça fait qu'on peut très bien perdre 5 minutes de tout le match à s'embrouiller avec l'arbitre ou plein d'autres choses. Et donc les noirs, c'est Paris, hein. Bah oui, vous avez marqué, c'est les noirs qui ont marqué. Et donc les blancs, c'est Auxerre. Et là, Auxerre risque de marquer puisqu'ils sont dans la surface de... Ouh. Oh là, il y a faute. Pas mis de carton. Perso, j'aurais été l'arbitre, j'aurais mis minimum un jaune, voire un rouge, parce que là, il a quand même taclé bien dans les pieds, il s'est bien ramassé, le joueur de Paris, il me semble. Essayer de marquer, je pense, puisque il a de nouveaux ballons. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Ben, essayer de marquer, écoute, parce que c'est un peu les règles du jeu. Le match est bientôt fini, dans à peu près une minute comme ça. Ouais, j'aimerais bien que Auxerre marque un but, comme ça ferait 1-1. C'est pas que j'aime pas Paris, c'est que...
C'est que j'aime bien Auxerre justement. C'est pas que j'aime pas Paris, c'est que j'aime bien Auxerre. Donc oui, j'aimerais bien comme ça, il y aurait pas de gagnant et les deux équipes seraient ex-aequo. Malheureusement, il reste très peu de temps et j'ai bien peur que Auxerre n'ait plus le temps de marquer. Et là, il a fait un changement, un gars qui s'appelle Nari. Je sais pas s'il est rentré ou s'il est sorti, j'ai pas bien pu voir. Oui, il la donne. Vraiment l'intervention qu'il ne fallait pas manquer. Alors là, s'il s'était trouvé là-dessus, ouf, rendez-vous. Dommage le dégagement, ils étaient près du but. Faute là, y a pas faute. D'accord, ben j'aurais dit faute. Hein. Si j'avais été l'arbitre, j'aurais pas mis de carton, mais j'aurais au moins sifflé. Et donc voilà, fin du match. Donc le PSG Paris Saint-Germain a gagné 1-0. Donc c'est pas la seule vidéo que je vais vous faire sur FIFA, ne vous inquiétez pas. Allez, peace les gens.